un déchirement. Je ne veux plus jamais revivre ça. Je suis désolé, Hansi. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, je me suis intéressée de plus près à la physiologie des titans. Et j'ai commencé par vérifier s'ils ressentaient la douleur. Bien joué à voir Nate. J'imagine que vous-même vous en avez affronté à plusieurs reprises. Alors vous savez très bien quelle menace. Attends deux secondes, je vois juste un truc. C'est exact. Au fil des années, ils ont même tué sous mes yeux la plupart de mes compagnons. Tu sais, à l'époque où j'ai intégré le bataillon d'exploration, je me battais férocement contre les titans. Mais un jour, j'ai fait une découverte qui m'a particulièrement intriguée. Tu sais qu'ils ont mis un truc Terminator? Je me suis rendu compte qu'elle était incroyablement légère. Bien plus qu'elle n'aurait dû l'être. Et puis, quand on y réfléchit un peu, leur simple taille devrait les empêcher de marcher. Ils ne devraient pas être capables de tenir sur deux jambes. Une autre fois, j'ai ramassé un bras que j'avais sectionné et il n'atteignait pas du tout le poids qui aurait dû correspondre à sa masse. C'est sûrement valable pour tous les titans, même toi. Je n'ai jamais assisté à une de tes transformations, mais j'ai entendu dire que ton corps de titan se matérialisait à partir de rien. J'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est un problème de perception. Pour une raison ou pour une autre, il y a un décalage entre ce que l'on voit et ce qui existe. Elle a du tir d'élite. Fortnite là. Oui. Tu veux venir? Moi je joue encore un peu Rocket League. J'aimerais en savoir le plus possible si je dois vous assister. Bon sang, moi je fais mes défis. Vas-y, bah du coup je reviens après quand je jouerai à Fortnite. Bah non, mais sinon on se parle. Bah non, mais je joue avec des potes. Ah, tu veux jouer avec tes potes? Ok. Bon bah, à plus.